Et cette annonce choc, rejoindre Paris en voiture en moins d'un an, alors même qu'elle habite en région parisienne. Je sais pas si je vais y arriver. Un documentaire poignant. Avancez, bordel ! Kaizen, un an pour atteindre Paris. C'est pas un endroit fait pour les voitures. Et allez hop, une pige de plus dans la annonce des travaux sur la 4. Bon, c'est sûr, fêter son anniversaire toute seule, ça fout le cafard. Les conditions de circulation se dégradent. Ok, au mental, tout est dans la tête. Je suis tout cœur avec toi, ma puce. Merci, papa. Écoute, observe. Non, non, vous l'avez pas, ma vie. Allez, on lâche rien. D'ici 3 jours, on atteindra le camp numéro 2, la déchetterie de la porte de Pantin. Wouh, je suis reboosté à bloc. Fin de transmission. Zipette, zipette. Lâche rien, on n'oublie pas l'objectif. Je sais pas si je vais survivre cette nuit. C'est ma dernière bouteille d'eau. Je suis vraiment ému, on voit déjà la tour Eiffel. Ah non, autant pour moi, c'est une antenne relais. Ça fera 2 euros. J'ai même pas de monnaie, j'ai que des billets. Non. Je me suis fait voler mon sac, j'ai un petit coup de mou. Ça fait 2 jours que je suis rentré dans la capitale. Bon, voilà, il y a une manifestation à Bastille, il y a la Gay Pride de la République, mais je veux dire, ça y est quoi, on y est. Je voudrais remercier Anne Hidalgo qui se surpasse tous les jours pour nous faire chier. Ça nous permet de nous dépasser, donc pour ça, merci. Oups, une merde de chien. Y a pas de doute, on est bien à Paris.